Salut à tous, c'est Megiddo. Et oui, après le petit succès qu'a rencontré Fatal Fury version Mugen, je vais vous présenter donc la suite, Fatal Fury spécial. Et oui, autant faire directement le spécial et pas le 2. Bon, alors là, contrairement à la version en premier où j'avais fait pas mal de travail dessus, screen patch, ending, illustration des personnages. Là par contre j'ai eu moins de choses à faire, donc ce que j'ai réussi à trouver quand même assez grand, pas mal de choses. Donc là j'ai surtout réussi donc à faire pourquoi je suis là dans des mots, donc à parler ending, illustration des personnages, je n'ai rien fait sur celui-là, j'ai juste tout à réunir. Bon, on va aller faire en mode histoire. Bon, donc comme vous pouvez voir, on retrouve donc tous les personnages de Fatal Fury spécial ou Gao Dentesu spécial, comme on veut. Donc c'est Terry, Andy, Joe et compagnie. Même Ryo Sakazaki qui est débloquable d'office. Donc il y a pas de personnes cachées comme dans le précédent. Voilà, moi je vais vous faire une petite démonstration. Ah là il y a un petit bug, la musique de Versus s'est pas enclenchée. Donc dans cet épisode on retrouve tous les décors. Le seul truc qui déconne en fait c'est le bonus stage, donc il est dans le jeu mais il n'est pas activé. Donc s'il y en a qui arrivent à avoir ce qu'il a et qui arrivent à le réparer, bah, tant mieux pour eux, parce que dès que j'active ça fait bugger le jeu. Et hop, et voilà, battu. J'ai dû faire des compromis quand même pour les décors, puisque certains viennent du 2, certains du spécial. Parce que certains ont des versions assez dures à trouver. Donc on vous explique ce que fout ce peut-être de petit chien derrière au niveau de la barre de Terry. Bon, un petit bug, faut voir que si je peux virer ça. Et voilà, gagné. Je vous fais juste une petite démonstration, alors j'irai pas au bout, je vous ferai pas vous montrer à la fin. Je vous laisserai découvrir par vous-même, parce que pour ceux qui ont peut-être pas vu, j'ai mis en lien méga upload le Fatal Fury 1 sur dans la description de la vidéo du 1 quoi. Et donc ici je mettrai donc un lien méga upload de cette version qui est quasiment finie à 100% dans les liens dans la description de la vidéo, je veux dire. Donc pas besoin de faire de taille. Donc vous retrouverez donc tout ce qu'il y a dans le Fatal Fury original, excepté que comme on est sur Mugen, on perd une seule chose, c'est le déplacement dans le fond de l'écran. Ici, ça ne fonctionne pas. Allez, dégage. Je vais pas l'oublier, ouais. Et voilà. Donc j'ai plus grand chose à dire, je vais peut-être arrêter la vidéo. Allez, après Big Birja de la vidéo. Et je vous dis à plus. Bon, je bosse sur un Real Boot. Je sais, je fais pas Fatal Fury 3. Je fais directement Real Boot, qui réunit donc tous les personnages apparus dans entre Street Fighter 3. Ah, ouais, j'ai perdu. Et Fatal Fury 3, qu'est-ce que je prends? Et Real Boot 2. Plus 2 supplémentaires, à savoir Alfred et White. De Domination Mine. Oh, t'as oublié ça. Quel tricheur ce Bibir. Il peut mettre en pause. C'est-à-dire qu'on appuie sur Select avec Big B, on a sa liste de coups et tout. Je sais pas ce qu'a fumé l'auteur. Allez hop. Et on va gagner. Ah, j'ai fait. Ah, il était déjà le combat là. Bon bah je vous quitte sur cette victoire. Allez.